annoncé. Les équipes de RDF sont mobilisées. Des coupures d'électricité sont attendues. Le carnaval risque d'être annulé si la... Qu'est-ce qui se passe ? Coupure de courant ! C'est la tempête ! Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? L'handicapé. Déjà debout. C'est bizarre. Tiens, le voisin, il a cassé sa barbe. Mais ça lui va bien. Tempête. Au moins lui, c'est sûr. Il doit pas être trop fatigué. Vu que le boulot, il connaît pas. Ah, je me demande ce qu'il va bien pouvoir faire de sa journée, lui. À tous les coups, il va aller au carnaval. Tiens, en quoi il pourrait bien se déguiser ? Il manquerait plus qu'il y ait une nouvelle panne d'électricité et que je me retrouve coincé avec lui dans l'ascenseur. Étage 0. Au même moment, au centre d'appel d'urgence de RDF. Bon, ça va ? Enfin, heureusement que les stagiaires ESAT sont là pour nous aider. Ils sont autonomes, mais bon, reste disponible au cas où. Ouais, ça marche. On était courant ! On était courant ! Excusez-moi, monsieur, vous pourriez répéter ? Non ! Docteur Tufour ! S'il vous plaît ! Dentiste à moi ! On était courant ! J'ai mal ! Qu'est-ce que je fais ? On ne tient plus à la suivante qui meurt ! Quand est-ce que vous m'étonnez ? On était courant ! Je vais tout la faire, vous Oui, madame. Nous allons prendre votre demande en compte. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Oui, madame. Nous allons prendre votre demande en compte. Je suis chaude. Allô ? Tiens, salut, Mélanie. Ça va ? Ouais, enfin, ça veut dire, j'ai une vieille au bout du fil, elle comprend rien à ce que je raconte. Aïe, aïe, courage. Merci. Allô ? Tiens, en fait, c'est toi ce soir que t'es présenté à ta belle famille. Ouais, ouais. Bonne chance. Merci. Allô ? C'est Vincent. Ça va ? Eh, ça va et toi ? Ça va, ça roule comme toujours. Eh, Vincent, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai un problème au poste boulevard Normandie. Il faut que tu coupes le départ numéro 5. Bon, je condamne et on fait l'intervention, hein. Hey Romu, s'il te plaît, tu peux appeler le monsieur parce que okay. Là je tiens plus, j'ai vraiment envie de pisser. Hein. Allô ? Allô, ma petite sauterelle. Le courant est rétabli ? Ben là c'est à nouveau coupé depuis une heure. C'est pas vrai. Mais quelle journée de merde ! Ça n'a pas été au bureau ? Pas d'ordinateur ! Même pas une machine à café qui fonctionne. Attends, il y a un agent ERDF là. Je vais lui poser la question, hein. Je te rappelle. Hé, hey, chef ! Tiens ! Que le mot des petits. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Et puis habillé comme ça, en pleine campagne. Ça se voit pas. J'y vais au carnaval. Au carnaval ? Non, mais vous avez pas entendu la radio ce matin ? Ça risque d'être annulé. C'est hyper dangereux. Faut pas rester là, hein. Vous êtes sérieux, là ? Bon, allez, montez, je vous ramène chez vous. C'est une blague, là ? Je suis au travail, là. Vous travaillez ? J'ai eu RDF. Ouh, ça fait du bien. Non, mais vous êtes un peu... Quoi ? Gay ? Mais non, pas gay. Bonjour, monsieur. Viens, mon petit Romu. Il faudrait qu'on termine ce qu'on a commencé. Puis après, si j'ose dire, on se barre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une connerie ? Laisse tomber. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce que je peux être con ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais m'excuser. Et j'ai honte. De la manière dont je me suis comporté avec vous aujourd'hui. Mais je vous imaginais pas au travail. Du fait de votre handicap, c'est stupide. Vous êtes pas le premier ni le dernier.
écoutez, ça vous dirait de venir manger ce soir à la maison? Pas de problème. Ça me ferait vraiment très plaisir. Merci à tous. Bon, moi aussi, je vais y aller, le temps d'avoir le vent. Fais attention quand même à toi de pas faire les 3 points qui te restent. T'inquiète, le père Michou, c'était moi, ça me connaît. Salut. Ça va? Ouais, bien. Tout le monde t'attend. Ah, et voilà. Je vous présente mon ami, Pascal. Et ma tante. Tu parles un peu fort? Elle est sourde. Je m'appelle Madame Michou aujourd'hui. C'est pas possible. Elle est sourde.